Nous allons rentrer dans la présence du Seigneur. Seigneur, nous voulons t'élever, nous voulons t'adorer. Seigneur, en cette mini-veillée, Seigneur, que ta grâce, Seigneur, déborde. Que, Seigneur, la grâce de ta résurrection, Seigneur, soit palpable dans nos vies, soit véritable dans nos vies. Que, Seigneur, ta résurrection soit, Seigneur, pour nous une nouvelle étape, soit pour nous une nouvelle phase. Alléluia. Tu es mort, Seigneur, et tu es ressuscité le troisième jour. Tu es revenu, Seigneur, parmi les morts le troisième jour. Et Seigneur, nous voulons célébrer ta puissance. Nous voulons célébrer ta puissance. Nous voulons célébrer, Seigneur, ton nom. Tu es celui qui dit et qui accomplit. Alléluia. Nous allons nous lever et chanter ce chant. Alléluia. Tu es celui qui dit et qui accomplit. Tu es celui qui annonce et qui le fait. Tu es celui qui dit et qui accomplit. Tu es celui qui annonce et qui le fait. Tu es celui. Tu es celui qui dit et qui accomplit. Tu es celui. Tu es celui. Tu es celui, tu es celui qui, alléluia, qui accomplit. Tu es celui, tu es celui qui annonce et qui le fait. Tu es celui, tu es celui qui dit et qui accomplit. Tu es celui, tu es celui qui annonce et qui le fait. Tu es mon sauveur, tu es mon ça se fera. Amen. Ce qu'il avait dit va s'accomplir. Ce qu'il t'a promis, il accomplira. Il est celui. Celui qui dit et qui accomplit. Tu es celui. Celui qui annonce et qui le fait. Tu es celui. Tu es celui qui dit et qui accomplit. Tu es celui. Tu es celui. Tu es mon sauveur, sauveur, tu es mon Seigneur. Ce que ta bouche a dit, ta main l'a compris. Tu es mon sauveur, sauveur, tu es mon Seigneur. Ce que ta bouche a dit, ta main l'a compris. Ce qu'il t'a promis, il le fera. Ce qu'il avait dit, il va l'accomplir. Quand il dit quelque chose, il accomplit au nom de Jésus. Ce qu'il a promis, il le fera, il est celui. Celui qui dit et qui accomplit. Tu es celui. Tu es celui qui annonce et qui le fait. Tu es celui. Tu es celui qui dit et qui accomplit. Tu es celui, tu es celui. Celui qui annonce et qui le fait. Hey, Seigneur, tu es celui. Alléluia. Oh oui, tu agis, oh oui, tu agis, oh oui, tu agis, oh oui, tu agis, oh oui, tu agis.
Oh oui, tu le fais. Oh oui, tu le fais. Oh oui, tu le fais. Seigneur, tu le fais. Seigneur, tu l'accomplis. Seigneur, tu l'accomplis. Seigneur, tu l'accomplis. Seigneur, tu l'accomplis. Le voyage, tu l'accomplis. Le mariage, tu l'accomplis. L'enfantement, tu l'accomplis. Oh oui, tu l'accomplis. Tu le fais, tu le fais, tu le fais, tu le fais. La bénédiction, oui, le mariage, oui, tu le fais. L'enfantement, tu le fais. Le voyage, là, tu le fais. Tu le fais, tu le fais, tu le fais, tu le fais. Tu es celui qui dit et qui accomplit. Tu es celui qui annonce et qui le fait. Tu es celui qui dit et qui accomplit. Tu es celui qui annonce et qui le fait. Tu es mon sauveur. Tu es mon Seigneur. Jamais accompli. Tu es mon sauveur. Tu es mon Seigneur. Jamais. Ça mène à confier, 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 ça mène à confier. Ah! La 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 la. Alléluia, le Seigneur. Ressuscité. Et en cette soirée, nous déjà nous chantons, nous célébrons la résurrection de l'Éternel. La 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 la. Hey. Louez, 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 louez Jésus, louez, louez, louez. Je l'acclame, c'est pourquoi 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 je l'acclame. Acclame le Seigneur de toutes tes forces. Je t'acclame, Seigneur, je t'acclame, Seigneur. 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 Je pousse des cris de joie à la gloire de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi je le loue. 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 Je l'élève, oui je t'élève Seigneur, oui je t'élève Jésus, oui je t'élève roi des rois, oui je t'élève roi de gloire, c'est pourquoi je le loue, 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 c'est pourquoi je le danse, c'est pourquoi je le danse. Tous mes pas dedans, ta présence.
Louez Jésus, louez, louez le roi des rois. Louez l'agneau, louez, louez le roi des rois. Louez, 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 louez. Ah, dans la présence du Seigneur, nous sentons. Ressuscité le troisième jour, nous l'appelons majesté, nous l'appelons majesté, nous l'appelons le ressuscité, le ressuscité, le ressuscité. Just
moi, ta grâce m'a trouvé telle que je suis. Oh oui, sans valeur, sans valeur. Oh oui, ta grâce m'a trouvé telle que je suis, telle que je suis. Oh oui, sans valeur, sans valeur. Encore une fois, ta grâce m'a trouvé telle que je suis, telle que je suis. Rempli, mais Seigneur, rempli de péché. Faire ensemble durant tout ce moment. Oh oui, majesté, majesté. Oh oui, majesté, majesté. Dis-le de tout ton cœur. Les choristes, le peuple seulement, majesté. Oh oui, majesté. Oh oui, majesté. Les parents de qui que ce soit autour de toi, élève la voix vers l'Éternel. Oh oui, majesté. M'a trouvé telle que je suis. Oh oui, sans valeur. Oh oui, par ton amour. Je suis transformée en présence de ta majesté. Encore une fois, ta grâce m'a trouvé telle que je suis. Oui, sans valeur. Sans valeur, mais
peut se lever dans la présence de ce roi majestueux ce soir. Levons-nous dans sa présence, frères et sœurs. Et réalisons ses paroles. Elles sont fortes, elles sont puissantes. Tel que je suis, sans valeur dans ce monde, pour lui, perle de prix. Alors que la chorale continue à chanter, ce soir, je t'invite à ouvrir ton cœur et la profondeur. Dieu a accompli dans chacune de nos vies. C'est sa majesté, le roi Dieu que nous adorons ce soir. Il est présent dans ce lieu ce soir. Il est au milieu de nous ce soir. Il est là encore pour nous faire du bien. Il est là encore pour nous manifester sa grâce. Il est là encore pour déverser sa grâce. Il est là encore ce soir pour nous permettre d'expérimenter le débordement de grâce. Ah oui, il est ici ce soir. Lève tes mains là où tu es. Adore le roi majestueux. Adore celui qui est venu et qui nous a trouvés dans l'état dans lequel nous étions. Oh, j'étais sans valeur. Je ne sais pas pour toi. J'étais sans valeur dans ce monde. J'étais perdu, j'étais sale. Je n'étais pas aimable, je n'étais pas appréciable. Je n'avais rien dans ce monde. Mais sa grâce m'a trouvé tel que j'étais. Il m'a vu comme quelqu'un d'une grande valeur, frères et sœurs. Il t'a vu comme quelqu'un d'une grande valeur. Il t'a vu comme une perle de grande valeur. Alors tu peux lui rendre ce soir, par ton adoration, par ta louange, par ta célébration, tu peux lui rendre, alléluia, ce qu'il a fait pour toi. Oh majesté, ce soir je lève mes mains vers toi pour t'élever. Je lève mes mains vers toi pour t'adorer. Je lève mes mains vers toi pour te célébrer. Je veux disposer mon cœur ce soir parce que tu es ici dans ce lieu. Parce que tu es présent dans ce lieu. Parce que tu mérites d'être élevé. Parce que tu mérites d'être honoré. Parce que tu mérites d'être célébré. Oh majesté, reçois mon adoration. Reçois ma louange. Reçois ma célébration. Acclamons pour le roi de rois. Acclamons pour le seigneur des seigneurs. Acclamons pour ce Dieu majestueux. Nous n'avons rien mérité. Nous n'avons pas fait quoi que ce soit pour mériter un si grand amour. Ah Seigneur, je t'acclame ce soir. Je suis dans la joie. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant pour ce que tu as fait pour moi. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Je sais que ta grâce déborde ce soir. Elle déborde pour mon frère. Elle déborde pour ma soeur. Elle déborde pour cette assemblée. Elle déborde pour chacun d'entre nous. Frères et sœurs, la grâce de Dieu est ici. Ouvre ton cœur ce soir et saisis la grâce. Saisis la grâce. Saisis la grâce. Je ne sais pas quel est ton besoin, mais je sais que le roi majestueux est ici. Il est celui qui peut te combler. Il est celui qui peut te visiter. Il est celui qui peut te toucher. Il est celui qui peut te guérir. Il est celui qui peut te transformer. Il est celui qui peut changer cette situation. Il est celui qui peut déplacer cette montagne. Alléluia. Oh majesté. Merci Seigneur. À toi soit la gloire et l'honneur. Alléluia. Majesté, oui 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 majesté, o
majesté, esprit majesté, esprit majesté, esprit majesté, esprit majesté, esprit majesté, à toi soit l'autorité. Soit la gloire, Dieu a été cloué, il
peut supporter ceci, mais toi le Fils de Dieu, tu as supporté nos péchés, tu as supporté nos fardons, tu as supporté nos péchés, et tu as été cloué à la croix de Golgotha pour nous, Seigneur. Oh oui, reçois la gloire, 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 reçois l'honneur, reçois la magnificence, Seigneur. Reçois la gloire, 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 reçois la gloire. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Au plus haut des cieux, reçois la gloire. Au plus haut des cieux, reçois la gloire. Au plus haut des cieux, au plus haut des cieux, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Oh oui, reçois la gloire, peuple de Dieu, tu ne vas pas t'asseoir. Le Seigneur veut recevoir sa gloire. Et tu vas te lever. Tu vas te lever, si le Seigneur reçoit la gloire. Oui, reçois la gloire. Reçois la gloire. Oui, reçois la gloire. 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 Simplement, Seigneur, reçois la gloire ce soir. Nous sommes là pour nous abaisser, afin que toi seul sois vu, afin que toi seul sois élevé, afin que toi seul sois célébré. Ah, Jésus, il y a plus de 2000 ans, tu as payé un prix extraordinaire, afin que je puisse avoir la vie. Et toi qui es dans la salle, toi qui es en ligne, j'aimerais que pendant ce week-end pascal, tu gardes les yeux rivés vers Jésus. Les yeux rivés vers Jésus. Premièrement, pour saisir pleinement le sacrifice de la croix. Deuxièmement, pour comprendre que s'il n'y avait pas eu la croix, nous ne serions pas là. Et troisièmement, pour demander que toute la vie divine qui a été relâchée à la croix, qu'elle te soit manifestée. Jésus a fonctionné un peu dans un mécanisme de compensation. Il est descendu pour que tu sois élevé. Il est mort pour que tu aies la vie. Il a porté tes péchés pour que tu sois sanctifié. Il a pris nos iniquités, il a pris nos maladies pour que nous soyons guéris. Parce qu'il fallait que quelqu'un aille payer. Il fallait que spirituellement quelqu'un, il fallait une transaction spirituelle. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et Jésus, voyant que les hommes avaient tellement de difficultés
avec le fait de tuer des veaux, tuer ci, a décidé. Lorsque le Père a demandé qui il enverrait, il s'est donné. Il a dit, je suis là, je viendrai, j'irai et je paierai pour vous. Alléluia. Et bien aimé, vraiment, dans ce temps-ci, je le disais mercredi, prends la peine de lire encore les évangiles, de lire la vie de Jésus, de lire à partir du moment où il va à la croix. Tu verras que le Seigneur te parlera. C'est extraordinaire comment c'était prévu. Comment Jésus, en fait, a tout fait pour que la parole s'accomplisse. Même quand son âme était tourmentée, il a tout fait pour que la parole s'accomplisse. C'est extraordinaire. Je méditais ce matin dans le livre de Matthieu, et c'est comme si à un moment donné, quand les sacrificateurs se parlaient, ils ont dit, ne le faisons pas mourir pendant la fête, pour qu'il n'y ait pas de tumulte. Donc eux, leur plan, c'était de tuer Jésus, mais pas pendant la fête. Mais qu'est-ce qui s'est passé finalement? C'est pendant la fête que ça s'est passé. Parce que Jésus mourant hors de la Pâque, il y a une symbolique qui n'était pas là. Il voulait remontrer que ce qui s'est passé quand le peuple sortait d'Égypte, ce sacrifice-là était encore valable. Alors, je veux que tu lises, et tu vas voir, pendant que tu médites dans ces 2-3 jours-là, les évangiles, la partie de la passion de Christ, Dieu va ouvrir ton esprit. Tu vas ressentir l'amour de Dieu. Tu vas comprendre ce que Jésus a fait pour toi. Pendant que tu seras en train de le méditer matin et soir, l'Esprit de Jésus sera sur toi. Et il va ouvrir tes yeux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen et s'asseoir? Alors, gloire à Dieu. Je vais essayer de changer de micro pour s'asseoir. Alléluia. Ça a l'air d'aller. Gloire à Dieu. On bénit le Seigneur. Dis à ton voisin que tu es content d'être là. Voilà. Dis voisin, c'est une mini veillée. On n'est pas venu pour dormir. Donc je te préviens en même temps. Dis-lui, je te préviens en même temps. Si tu t'endors, je te pince. Hein? Non, tu le préviens dans l'amour. Tu vois, là, quand tu vas vraiment le pincer, il ne pourra pas trop se fâcher. Tu vois, non? Voilà. Tu dis, voisin, c'est pour ton bien. Parce qu'il y avait un gars, il s'appelait Eutychus. À un moment donné, Paul parlait longtemps. Il s'est endormi, il est tombé là-bas. C'était compliqué. Donc, je ne veux pas que tu sois Eutychus. Amen. Voilà. Hein? Il y a des petites stratégies. Quand tu es fatigué, tu dis des amen très fort. Tu vois, là, on ne sait pas si c'est parce que la parole t'a trop touché. Voilà, tu vois, non, des amen, tu te lèves. Yes! Tu as le don, tu as des frères zélés, tu vois, quelquefois. Alléluia! Regarde, son sommeil, il est en train de chasser comme ça. Hein, on a trop vu ça dans les veillées, là, tu vois, souvent. Le gars, il est debout, il écoute la parole. Tu dis, non, il est concentré, frère. S'il s'assoit là, c'est mauvais. Alléluia! Je bénis le Seigneur. Cette fête de Pâques est une fête de grâce. Depuis le séminaire CEPAC qui a commencé, qui est comblé de grâce. Moi, je sais que la grâce est là. Et j'entends des témoignages d'un peu partout. Je vois des choses arriver. Une soeur qui était à la maison tout à l'heure qui nous témoignait de ce que Dieu fait. Dieu est en train de travailler, tu vois. Et quelquefois, il faut savoir se calmer, prendre un peu de recul et puis regarder l'action de Dieu pas à pas. Alléluia. Alors, la fête de Pâques, bien aimé, moi en tout cas, j'estime que c'est la plus importante. Jésus aurait pu venir sur la terre, mais s'il n'était pas passé par le sacrifice de la croix, il y a quelque chose qui n'aurait pas marché. Amen. Il aurait peut-être impacté pendant les 3 ans et demi de ministère là-bas. Les autres allaient être très contents. Mais et nous autres? Et nous, combien d'années plus tard? C'est parce qu'il passe à la croix qu'en fait, nous avons ce transfert de puissance là. Le sacrifice de la croix, c'est quelque chose que le diable n'avait pas prévu. Dans son plan, il ne pouvait pas prévoir ça. Et un pasteur qui dit, si le diable savait ce que Jésus allait devenir après la croix, peut-être qu'il ne l'aurait pas tué. Il avait dit, laissez-le. Il ne savait pas. Parce que, alors que le diable pensait l'abaisser, il avait dit qu'il a été souverainement élevé. Alors qu'il pensait le tenir dans la mort, il a été souverainement élevé. En fait, le diable ne savait,
Vous savez, il y a des adversaires là, il y a des équipes, tu ne sais pas trop comment tu vas jouer avec eux. Donc depuis que Jésus est né, ils ont vu une étoile. Bon, ils savaient, mais ils ne comprenaient pas trop comment il allait opérer. Tu vois, jusqu'à Jésus allait au temple, il parlait avec les trucs. Donc tu reconnais que c'est un enfant qui a peut-être quelque chose. Mais le diable n'avait pas bien compris. Jusqu'à ce qu'il y ait le baptême. Après le baptême, il a vu quand même la colombe descendre. Il s'est dit, ah, c'est peut-être sérieux l'histoire avec ce gars-là. Et après, Jésus a commencé à opérer de façon extraordinaire. Quand Jésus arrivait dans des endroits, la Bible dit à cause du revêtement qu'il avait, les démons lui disaient, qu'y a-t-il entre toi et moi? Tu es venu pour nous perdre. Il y a un niveau de revêtement que tu as. Et puis quand tu passes quelque part, les démons même sont en train de crier. Il y a des personnes ici, après cette Pâque-là, vous allez passer, puis les gens vont crier seul. Tu vas finir de prier le matin dans le métro, tu t'assois, puis tu restes calme. Tu sais que bon, c'est un petit démon qui a été dérangé. Et donc Jésus a fait tout ça. Tout. Mais le diable ne voyait pas encore la fin. Ah non, Jésus le chassait un peu, guérissait quelques personnes. Tu vois, bon, il y avait un ministère qui avait de l'impact, mais il ne voyait pas encore. Jusqu'à ce que le Seigneur sorte le dernier kata, le kata des maîtres, le kata caché. Il a dit, bon, Jésus aurait pu rester là, Dieu aurait pu lui donner une vie de 500 ans, puis il allait être là, guérir les malades pendant 500 ans jusqu'à aujourd'hui. Mais tu as dit, non, il y a une dimension là. Il faut que je finisse avec le diable. Et où il devait aller finir, c'était dans la mort. Donc il a dit, Jésus, premièrement, va, donne ton sang, ce sang qui va les purifier. Ensuite, descends dans le séjour des morts. Tu vas dans le camp ennemi et puis tu le menaces et tu prends la clé du séjour des morts et puis tu remontes. Mais dans l'autre partie que le diable même n'avait pas compris, il pensait que Jésus allait remonter sur la terre. Il n'est pas remonté sur la terre. Il est souverainement élevé. Il est à droite de Dieu le Père. Donc, vous savez, il y a des combats là. Comme quand tu vois, c'est un combat de boxe là. Il y a des gens, on les a frappés jusqu'à ce qu'ils ont le vertige, ils voient plus clair après. C'est ce qui est arrivé à la croix du calvaire. Ils n'ont pas compris ce plan-là. Ils n'avaient pas prévu ça. Ils n'avaient pas prévu. Mais Jésus l'a fait pour toi. Et il l'a fait pour moi. Et pendant ce week-end de Pâques, la parole que je veux te partager, le thème c'est les grâces de Pâques. Dis avec moi les grâces de Pâques. Dis à ton voisin, il y a beaucoup de grâces à Pâques. Et le Seigneur me parlait comme ça pendant que je préparais le message. Hier, aujourd'hui, de 8 grâces, 8 formes de grâces qu'il a saisies. Probablement qu'il y en a beaucoup plus. Hein. Il nous parlait de 8 sortes de grâces. Bon, j'en ai un peu parlé pour ceux qui étaient là à la période de délivrance tout à l'heure. Vraiment, on a été bénis à la période de délivrance. Qui a été béni par ce moment-là? Amen. En tout cas, vraiment, le Seigneur a fait une œuvre puissante et je prie que cette œuvre-là soit scellée, qu'elle continue dans ta vie au nom de Jésus. Alors, dans le thème de SPAC, hein, on est en train de continuer dans la conférence qui est comblée de grâce. Le Seigneur a ouvert mon esprit pour me montrer premièrement que toutes ces grâces-là, elles n'ont pu venir que parce qu'il y a eu Pâques, que parce que Christ est passé à la croix. Si Christ n'était pas passé à la croix, toi et moi, on n'était pas éligibles. Tu comprends? Toi et moi, on allait nous accuser. Toi et moi, on allait nous disqualifier. Toi et moi, on allait parler de malédictions, de toutes sortes de choses. Quand on priait tout à l'heure, il y avait des cas de malédictions, des cas d'hôtels familiaux. Toutes ces choses-là allaient encore parler. Mais ce qui fait que nous sommes éligibles, c'est la croix de Christ. C'est la croix de Christ. C'est comme notre clé pour entrer. C'est comme notre clé pour passer. C'est comme la chose qui nous disculpe totalement. Alléluia. Voilà pourquoi en tant que chrétien, je parle, je sais qu'il y en a parmi vous ici qui vont se faire baptiser demain. Il faut comprendre le mystère de la croix. Quand un chrétien ne comprend pas ce qui s'est passé à la croix, c'est un chrétien faible, c'est un chrétien léger, c'est un chrétien à qui le diable peut raconter n'importe quoi par la suite. Parce que tout s'est passé à la croix. Toute notre chrétienté dépend de ce qui s'est passé à la croix. Du sacrifice de Christ, de l'autorité de Christ, de la victoire de Christ. Alors quelquefois, quel que soit ce que vous traversez, il faut retourner à la croix. Dans votre esprit. Et vous rappelez de ce que Christ a dit à la croix. Parce que le diable est menteur. Il va venir vous raconter plein de choses sur votre vie. Mais quand il va venir te dire, non, toi là, dans ta famille, on t'a vendu.
depuis que tu es petite. On a dit que tu es la femme d'un tel. Et puis on t'a fait tel sacrifice et tout. Si tu ne te souviens pas que Christ a dit à la croix qu'il a effacé tous les actes qui nous condamnaient, qu'est-ce que ça va te donner? Qu'est-ce que ça va te donner? Souvent, on peut venir t'amener une nouvelle venant du village. On dit que les 7 sorciers du village les plus puissants sont assis ensemble. Ils ont parlé de toi. Et puis, ils ont signé un décret. Quand tu as envie de mourir toi seul. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il les a dépouillés. La croix. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens, enfin, pas beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises, mais la chrétienté moderne, quelquefois, ne parle plus de la croix. Tu vois, on déguise un peu la chose. On rend ça fun, tu vois. Donc, on fait beaucoup de marketing. On parle de vos bénédictions, de comment ça va aller, comment on va se marier. Oui, c'est vrai, ça va venir. Mais la base, le fondement, c'est le sacrifice de la croix. Voilà. Il ne faut pas, excusez-moi, hein, on ne peut pas aller à gauche, on ne peut pas aller à droite. Si on ne prêche pas la croix, on ne prêche pas la puissance. Si on ne prêche pas la croix, on ne prêche pas la vie. Parce que sans la croix, c'est la mort. C'est par la croix que nous sommes revenus à la vie. Voilà pourquoi un évangile ou une église où on ne vous parle pas de repentance, où on ne vous parle pas d'abandonner la vie de péché, où on ne vous parle pas de la transformation, où on ne vous parle pas de mourir comme Christ à la croix pour accepter de revivre, s'il y a un problème. On est en train de faire du développement personnel où on est en train de, tu sais, parler de vos besoins. Alors il faut comprendre, j'ai rien contre le développement personnel, c'est biblique. Mais c'est seulement quand on parle juste de développement personnel sans parler de Christ qui en est la base, c'est là qu'il y a un problème. Ok? Sinon c'est biblique. Dieu veut qu'on se développe, Dieu veut qu'on ait des bonnes attitudes, Dieu veut qu'on ait des bonnes facultés et tout. Ça, Dieu veut qu'on le fasse. Mais seulement, beaucoup de gens en parlent sans parler de la fondation qui est Christ. En fait, tu fais du développement personnel parce que d'abord, tu as mis Christ au centre de ta vie et tu comprends que ta vie doit se développer pour répondre aux objectifs que Christ a mis dans ta vie. C'est pour ça que tu fais du développement personnel. Tu ne fais pas du développement personnel parce que toi seul, tu veux te développer. Non. Vous comprenez? Alors la croix, la puissance de la croix. Il y a une puissance dans la croix. La puissance de la transformation. C'est à la croix qu'il y a des transformations. C'est à cause de la croix qu'un alcoolique peut abandonner l'alcool et puis changer. C'est à cause de la croix qu'un quelqu'un qui cherche femme peut abandonner et puis changer. C'est à cause de la croix qu'un drogué peut sortir de la drogue. C'est pas ce qu'on raconte, ce qu'on dit, c'est pas tout ça là. C'est la puissance de la croix. Parce que la croix, c'est passer de la mort à la vie. Les gens qui sont addicts à alcool ou drogue, c'est... Souvent, on les regarde, on a envie de dire, mais comment lui, là, il fait? Et puis, il est addict à ça. Mais c'est une force qui les retient. C'est une force. Donc, il y a besoin d'une force aussi pour aller les chercher, pour les ramener. Quand tu vas comprendre la puissance de la croix, tu vas comprendre que pleurer par rapport à ton mari, ta femme, là, il faut laisser tout ça. Emmène-le au pied de la croix. Emmène-le au pied de la croix. S'il arrive au pied de la croix, la transformation va se faire. Amen. L'évangile de la croix. Mes amis, s'il vous plaît, que dans ce week-end-là, ce soit une base qui s'installe en vous. Hein, ne faites pas l'église, un truc qu'on vient vous parler, des trucs qui vont vous faire plaisir. Oui, le pasteur vous a bien caressé aujourd'hui, il a parlé de ça. Oh là là, nous, mon âme est contente. Et le pasteur a prié pour moi. Tout ça, là, on va faire. Mais le fondement, c'est la croix. Ça, il faut que vous le sachiez. Et la croix, ce qui s'est passé à la croix, en fait, la puissance de la croix, là, on ne peut pas la mélanger avec autre chose. Voilà, il faut vraiment comprendre. Tu ne peux pas parler de la puissance de la croix et puis vivre en même temps une vie de compromission. Tu vois? Tu ne peux pas parler de ce que Christ a fait. Attendez, vous savez, Jésus est mort à la croix. Hein? Et puis nous, on finit. Tu finis, tu fais la fête de Pâques le matin, le soir, tu es un féticheur. Il est mort, hein? Il n'y a personne d'autre qui allait mourir pour toi. Et vraiment, je veux que tu comprennes que ce qui s'est passé à la croix, là, pour bénéficier de ça, il faut vivre l'exclusivité. Alors, il faut comprendre, ces gens des transactions-là, il y a des gens, par exemple, dans le monde, ils ont trois marabouts. Ils se disent, ils ne savent pas lequel va marcher. Tu vois, donc... On fait un peu ici, on fait un peu à lui, on fait un peu à lui, puis on se dit, bon, tout ça mis ensemble, il y a un, ça va sortir chez un. Non, 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 dans la vie de Dieu, il n'y a pas ça. Tu choisis Jésus, parce qu'il t'a choisi en allant à la croix. Non, non, il faut que tu le saches, il t'a choisi. Quand il allait à la croix, lisez la passion du Christ.
vous allez voir que même il y a eu des moments où c'était difficile. Il y a eu des moments où il pouvait reculer. Il y a eu des moments où, quand il va à Gethsemane, son âme est troublée. Mais ce qui fait qu'il tient, c'est l'obéissance au Père et c'est le fait qu'il t'ait choisi, toi. Donc, toi, tu ne peux pas t'amuser à faire un choix. Tu as choisi un, puis tu as choisi l'autre. Tu vois, c'est comme dans un mariage. Quand vous choisissez, vous êtes choisi, hein. Tu ne vas pas venir dire non, mais j'étais choisi toi et puis j'ai choisi l'autre à moitié. Ça ne fonctionne pas. Alors mon premier point, la base c'est la croix. Deuxième point, ton engagement avec Christ. Il ne faut pas le partager. S'il y a quelqu'un qui était encore un peu un pied dedans, un pied dehors, ça peut être pas ignorance. Ça peut être parce que tu n'as pas eu de la formation, l'enseignement. Ça peut être parce que ta famille, voilà. Il y a eu des moments où nous tous, on a eu des transitions, on ne savait pas trop, on était ci, on était ça. Il y a eu des moments où, j'ai dit, voilà, on se disait chrétien, mais quand on rentrait au pays, on avait des savons pour nous laver, pour faire des trucs comme ça. Mais à un moment donné, il faut que tu arrêtes et puis tu dis, c'est Jésus que je choisis. Voilà. Donc vraiment, fais ce choix-là. Et tu vas voir la manifestation de la puissance. Tu vas voir la manifestation de la puissance. Si tu viens à l'église et puis tu as une vie aussi totalement désordonnée, tu ne peux pas vraiment rentrer dans la puissance. Parce que Jésus a dit, le diable n'a rien en moi. J'en parlais dimanche sous un autre angle. Il n'y a rien. C'est-à-dire, le diable va regarder Jésus et puis dire, il y a un bout de Jésus là qui est à moi. Or, nous souvent, le diable peut regarder un bout de notre vie. La façon dont on parle mal, les choses qu'on regarde, ces trucs, et puis il peut dire ce bout-là est à moi. Tu comprends? Donc cette fête de Pâques-là, donne-toi tout entier. Non, donne-toi tout entier à Jésus. Donne-toi tout entier. Je parle à quelqu'un ce soir. Donne-toi tout entier. Livre-toi. Je me livre totalement là. Il faut chanter ça et puis il faut le vivre. Tu fais un pas. Maintenant, peut-être que tu es jeune chrétien, tu as besoin d'un enseignement, tu as besoin que des choses soient formalisées. Viens nous voir, on va en parler. Mais si tu es un doyen, ça fait au moins 15 ans, tu es là. Et puis tu as encore un marabout sur le côté, je t'en supplie. Le marabout ne va rien te donner. Il ne va rien te donner. Voilà, sors de là. Sors des compromissions. Sors de ces choses. Alléluia. Je sais que Dieu va délivrer quelqu'un durant cette fête de Pâques. Amen. La vie de Dieu. Quelqu'un m'a... J'ai pas entendu? Non? Ah yes, ok, d'accord. Non, Dieu va délivrer quelqu'un. Il faut comprendre, hein, voilà, la délivrance, il faut comprendre. Hein. Il y a la partie, tout à l'heure, on a chassé les démons, on a fait tomber certaines fondations, on a fait sortir des trucs. Il faut comprendre que la délivrance, c'est un process. Il y a ébranler les puissances des ténèbres, les chasser, mais il y a équiper la personne aussi. Okay? Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. On n'a pas dit vous chasserez un démon et démon vous, et puis vous serez affranchi. C'est la vérité qui est connue. Donc même si on chasse un démon et que tu ne connais pas la vérité et que tu demeures dans la compromission, c'est une porte qui est totalement ouverte. Il va faire un tour, revenir, voir que ta vie est encore bizarre et puis hop, il revient. Et il vient avec des amis cette fois-ci. Parce qu'il s'est dit la première fois, là, on a pu me faire sortir de la maison. Il va chercher un groupe. Ils viennent, ils sont plusieurs. La prochaine fois qu'on fait délivrance, c'est plus compliqué. Donc, je vous demande pardon. Hein? Les pasteurs, là, voilà, vraiment, ayez pitié de nous. Voilà, on ne veut pas multiplier les délivrances. Voilà. Non, sérieusement, parce que tu ne peux pas venir des moments comme ça, et puis tu regardes ta vie, peut-être tu es dans l'iniquité, tu es dans le péché, tu es dans un truc plus bon, tu continues dedans allègrement. Le diable va t'attraper allègrement aussi. Voilà. Donc, il faut que tu te dises non. Je dois faire, si tu as besoin d'aide, viens me voir. Viens voir ton patriarche, viens nous voir. On va prier. Donc, il y a des cas, on a besoin de continuer à parler avec vous. Parce que c'est juste une question d'enseignement. Il y a une base scripturaire qui n'est pas bien placée. Donc, il faut juste la replacer. Il y a des cas, il faut commencer à méditer la parole. Il y a des cas, il faut déclarer les bonnes choses. Et le Seigneur va te délivrer. Alléluia. Voilà. Il y a des cas, il faut enlever le doute et la peur. Parce que plusieurs d'entre vous, vous êtes délivrés. Mais le diable, ayant quitté votre vie, va maintenant venir vous montrer des choses. Il est à l'extérieur, et puis il vient, il te montre. Donc, toi, tu ne maîtrises plus trop. Il est encore là, il n'est pas là, mais il te montre la chose. Donc, dès qu'il te montre, toi, tu commences à avoir peur. Tu te dis, oh, voilà, c'est pas fini, ta, 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 ta. Et puis après, ça lui laisse rentrer par la peur. Alléluia.
Voilà. Donc ça, c'est très important. En termes des grâces de Pâques, hein, on va essayer de ne pas être trop long aujourd'hui. Et puis dimanche, Dieu m'a fait la grâce de voir 8 grâces. La première grâce, elle est très simple. Pâques, pour moi, c'est la grâce d'être aimé. C'est la grâce d'être aimé. D'être aimé de Dieu. Et ça a l'air de rien. Mais beaucoup, dans beaucoup de religions, là, leur Dieu ne les aime pas. Hein. Non, non, ce que leur Dieu leur fait faire, là, ça ne peut pas ressembler à l'amour. Ah! Te faire aller casser, eux font mieux de trucs, te promener nu, aller sur truc et tout là. Ça ne peut pas être un Dieu qui t'aime. Non, attendez, entre nous. Est-ce que ça peut être un Dieu qui t'aime? Te faire des humiliations, prendre tout ton argent, faire tout. Est-ce que ça peut être un Dieu qui t'aime? Et on a l'impression que c'est rien, mais c'est une grâce d'être aimé. Parce que beaucoup de gens ne se sentent pas aimés sur cette terre. Beaucoup de gens ont développé des carapaces parce qu'ils ont, pour eux, personne ne les aime. On a l'impression que, oh, affaire d'être aimé, là, ça c'est un faux problème. Il y a des frères qui vont dire, non, ça c'est l'affaire des femmes. Nous, être aimé, pas être aimé, là, nous on s'en fout, nous on avance. Mais c'est faux. Même les hommes, on a besoin d'être aimé. Oui, il ne faut même pas blaguer. On a besoin d'être aimé. C'est juste que entre la femme et l'homme, la façon de se sentir aimé est différente. Mais c'est un besoin fondamental. Quand tu ne te sens pas aimé, tu as l'impression que ta présence est égale à ton absence pour tout le monde sur la terre. Quand tu ne te sens pas aimé, tu commences à développer des mécanismes de protection. Tu vis seul. Il y a des hommes, et je parle par l'esprit à quelqu'un, qui sont dans leur maison et qui sont seuls parce qu'ils sont dans leur carapace. Ils sont mariés même, mais ils sont seuls. En fait, c'est qu'ils étaient arrivés à une étape de leur vie, ça prenait une femme pour faire des enfants, parce que tout le monde de son âge est marié, mais il est seul. Il a sa femme même, il pense même pas que sa femme l'aime. Pâques, c'est la démonstration qu'on est aimé. Mon frère, tu ne peux pas imaginer. Hein? Il y a deux versets, puis c'est assez drôle. Jean 3,16, je ne sais pas si c'est comme si vous avez eu les versets. Jean 3,16, la Bible dit, bon, ça, vous n'avez pas besoin, non, vous pouvez dire ça, non. Ferme les yeux, puis dit. Donner son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Dis à ton voisin, Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son fils unique. Donc, toi qui es là parce que tu traverses des moments difficiles, tu te demandes si Dieu t'aime. Voilà le verset qui dit qu'il a tellement aimé qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit. Non, le quiconque même est trop fort. Blanc, noir, jaune, rouge. Je ne sais pas s'il y a orange, mais en tout cas, orange. Quel que soit le pays où tu te trouves, si tu crois, tu ne périras point. Moi, vraiment, ça m'a tellement touché. J'ai réalisé, j'ai dit, Dieu nous aime. Hein? Non, sérieusement, est-ce que vous savez que Dieu nous aime? Est-ce que vous ressentez l'amour de Dieu? Si vous prenez 1 Jean 3,16, alors c'est 1 Jean 3,16, maintenant on va dans 1 Jean 3,16. On lit ensemble. Nous avons connu l'amour. En ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons notre vie pour les frères. Nous avons connu l'amour comment? En ce qu'il... Donc à Pâques, quand il donne sa vie, c'est par amour pour toi. Un innocent paie la vie pour toi. Un innocent va se faire livrer aux autorités pour toi. Est-ce que tu réalises ce sacrifice? Est-ce que tu réalises comment Dieu t'a aimé? Alors Dieu a aimé le monde. Il a donné son fils. Le fils ne s'est pas arrêté là. Il dit non, je suis venu parce que Dieu a aimé le monde. Mais moi, je vais leur faire connaître l'amour en me donnant. Bien-aimé, je veux que pendant cette fête de Pâques-là, tu t'asseyes et tu réalises qu'il a payé pour toi. Il a payé. Parce que la Bible dit, a fait que quiconque croit. Ça veut dire que nous aussi, on est éligibles. Le Seigneur t'aime. Et c'est une grâce d'être aimé par un Dieu aussi grand, aussi fort et aussi bon. C'est fondamental. Tu sais, chaque fois que je pense à la passion de Christ, je pense toujours au fait que
sincèrement, entre toi et moi, si c'était toi, tu allais arrêter ça depuis longtemps. Ah, des gens comme ça là, quelqu'un a dit très vite. À partir du moment même où tu savais, c'est-à-dire quelquefois tu dis maintenant Jésus est fort. Quand il a su que c'était Judas là, c'était non, on allait attraper Judas. Bon, Judas, pardon, laisse. Je sais que tu voulais aller me vendre, mais il faut laisser la fin, on va continuer. Mais il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout, par amour. Gethsemane là, quand vous voyez, mais c'est une période d'angoisse. Gethsemane là, c'est quand tu es chez toi et puis tu pleures, on dirait la terre veut s'arrêter là. Mais toi, tu as un problème, tu pleures, tu veux devenir fou dans ta maison là. Gethsemane là, c'est peut-être 1000 fois ça. La Bible dit, il priait jusqu'à ce que son sang quoi, soit comme des grumeaux. Ce soit des grumeaux. Ça veut dire que, en fait, on a l'impression que Jésus, c'est vrai qu'il est Dieu, mais il est venu dans une enveloppe corporelle. Et il vivait des sentiments humains. Il vivait des sentiments humains. Il savait quel type de mort l'attendait. Et il y a une angoisse qui est arrivée. La Bible dit même que des anges sont venus le fortifier. Si on est venu fortifier Jésus, c'est que c'était chaud. Mais bien aimé, c'était toi et moi. Est-ce qu'on n'aurait pas arrêté ça depuis le début? Et le même soir où il venait t'arrêter là, tu démissionnais en même temps de ta fonction. Tu appelais le père, tu dis, bon père, je suis arrivé, j'ai fait le plus que je pouvais, mais là, ça devient autre chose. Mais il est allé, il a continué, il est allé devant Pilate, on l'a insulté. Et c'est comme si à chaque fois, on voulait lui donner l'occasion de juste se dédire, et puis on allait le laisser partir. Mais chaque fois, il continuait. Chaque fois, il continuait. On demande, est-ce que tu es le fils de Dieu? Il dit, tu l'as dit. Parce qu'il savait où il allait. En fait, il savait, c'est-à-dire vous n'avez pas idée de l'amour, de la puissance de l'amour manifesté à la croix. Vous n'avez pas idée. À un moment donné, quand il dit, Eli, Eli, lama sabachthani, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Pensez à ce qui se passe dans la tête de Jésus. Jésus, qui a toujours fait un et le Père, toujours, à un moment donné, s'est senti loin du Père, jusqu'à dire, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout ça pour qui? Pour toi et pour moi. Je veux te faire réaliser le prix qui a été payé pour ta vie. Pour qu'à partir de ce soir, tu ne joues plus à ta vie. Ne joue plus à ta vie. Ne joue plus à le péché. Ne joue plus à l'église. Ne joue plus à ta relation avec Jésus. Ne joue plus avec ton engagement avec Dieu. Ne joue plus avec ton service. Ne joue plus avec ces choses. Parce que lui, il est allé jusqu'au bout. Par amour pour toi, il a payé. Frère, toi on te dit viens à 8h du matin parce qu'il y a que... Ah, c'est trop tôt. Il est mort pour toi. Lève-toi à 4h pour prier. Oh, je ne peux pas. Il est mort pour toi. On dit week-end pascal, il y a programme vendredi et puis dimanche. Ah, là, aller deux fois à l'église. Je ne peux pas. Il est mort pour toi. On dit de pardonner. Oh, c'est trop fort. Il est mort pour toi. Lui, il est allé jusqu'au bout. Son amour, là, ça s'est manifesté par sa mort. À qui on a demandé ici de mourir? À qui on a demandé de mourir ici? Non, dites-moi. Lui, il est mort. Je veux que pendant cette fête de Pâques, là, tu remettes en question tous nos faux petits arguments bizarres qui font qu'on ne sert pas Dieu, qui font qu'on ne manifeste pas notre amour, qui font que nos responsables nous cherchent. On dit réunion des tribus. Ah, moi, je ne peux pas. On te programme aujourd'hui. Non, ça dépend de si je veux, si je ne veux pas, si je ne peux pas. Et qu'est-ce qu'on te dit encore même? Fais telle chose. Fais, ah, non. Non, on ne fait plus ça comme ça. Il est mort pour toi. Il est mort pour toi. C'est pour ça, en fait, Dieu, c'est pour la joie de Jésus. Mais si c'était un de nous, là, non. Il y a des gens comme ça, là. Non. Et quand Jésus mourait là, ils étaient en train de se moquer de lui en bas. Hein. Les mêmes, sûrement il a guéri le cousin de quelqu'un. Il a guéri la nièce de quelqu'un. Il y a la petite soeur de quelqu'un qui est en train de mourir. Il a fait tout ça là. Ceux qui étaient là, je suis sûr que les 5000 qui ont mangé dans le désert, la multiplication du pain là, il y en avait d'autres qui étaient, ils étaient devant là. Les mêmes. Ça, c'est pas trahison. Attends, toi imagine, tu as nourri des gens
chez toi. Tu as donné, tu as fait. Et puis ils t'ont trahi. Et puis le jour où tu dois mourir, on dit non, c'est pour eux là, mais il faut aller jusqu'au bout. Il y a longtemps, tu as laissé la fin. Je fais exprès pour que tu réalises ce que Christ a fait. Souvent, on prend ça pour acquis. On joue avec le nom de Christ. On joue à la maison de Dieu. On joue le service. On joue l'honneur. On joue le sacré. Mon ami, tu ne peux pas jouer. Parce que lui, il a payé de sa vie. Si c'était un jeu, il n'allait pas aller à la croix. Il n'allait pas mourir. Et je vous invite pendant ce week-end à regarder le film sur la passion du Christ. Vous savez ce qu'on regardait quand on était enfant là. C'est pas ça, hein? C'est pas la réalité. Hein? Enfin, je sais pas dans tous les pays, c'est comme ça. En Côte d'Ivoire, on avait un film qui passait chaque Noël, un long film de 3 heures de temps. Chaque Pâques, pardon, de 3 heures de temps. Mais la façon dont le crucifix est dedans là, c'est pas la réalité. Et c'est une souffrance. Parce que quand tu es comme ça, entre la gestion de ton poids, à un moment donné, ton sang qui descend, tes poumons qui se rendent, c'est une souffrance. Et il savait. Toi, si on te demande juste de te gifler pour que ton frère aille bien, même la gifle, ça va te... Tu as quand même vu, non, c'est compliqué. Pourquoi on va me gifler pour que lui, il aille bien? Lui, il est mort pour toi. Je veux que tu réalises combien de fois Dieu t'a aimé, combien de fois Christ t'a aimé. Et je veux premièrement que tu ne laisses plus personne te dire que tu n'as pas de valeur. Parce que celui qui est dans les cieux a payé pour toi. Donc maintenant, si on t'accuse, si on dit quoi que ce soit, tu dis, il m'a aimé. Et il est allé à la croix pour moi. Et je veux que tu demandes à Dieu de te donner, de réaliser ce qui s'est passé à la croix. Tu vois? Cette grâce-là, la grâce d'être aimé, c'est incroyable. Quand quelqu'un se sent aimé, vous le savez tous, hein, quand un enfant se sent aimé, il se développe mieux qu'un enfant qui ne se sent pas aimé. Ça, vous le savez. Je n'ai pas besoin de vous expliquer. Et même un adulte, quand tu te sens aimé, tu commences à faire plein de choses. Alors, quelque chose qu'on t'a dit dans ta famille, je suis venu de la part du Seigneur de rappeler son amour. De rappeler qu'il t'a aimé jusqu'à aller donner sa vie. La première grâce de Pâques, c'est la grâce d'être aimé. On la banalise, on la prend pour acquis. Mais moi, quand je m'assieds et je pense à un si grand amour manifesté pour moi, je ne peux que dire, oh, waouh, merci. Et quand tu réalises cet amour, il y a plein de petits problèmes là que tu laisses faire. Tu sais, celui qui t'a tant aimé là, son cœur est dans l'église. Donc quand tu finis de réaliser ça là, les petits palabres dans l'église là, tu balayes ça de la main. Parce que tu le peines quand tu restes sur un petit palabre. La soeur là m'a pas dit ça, l'autre soeur m'a mal regardé, lui il n'a pas fait ça, le pasteur lui n'a pas fait ça. Quand tu fais ça, tu peines celui qui t'a tant aimé. Est-ce qu'on comprend la portée de cette grâce là? La grâce d'être aimé. Je veux vraiment que vous l'ayez dans votre cœur. Seigneur, je prie pour tes fils et pour tes filles afin qu'ils réalisent combien de fois ils sont aimés. 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 Que sentir cet amour-là te donne de la paix. Que sentir cet amour-là te donne de la joie. Que pendant ce week-end, Pascal, tu réalises le prix énorme qui a été payé pour que tu aies la vie. Alléluia. Avant de terminer, je vais faire la deuxième grâce. Parce que je ne sais pas si dimanche j'aurai le temps de tout faire. Mais c'est la grâce de la rédemption et du salut. On a été racheté. On a le salut. Vous savez, la finalité là, on se bat beaucoup de choses sur la terre. Mais la finalité, c'est que le jour où on sera au ciel, on sera au paradis, on sera avec le Seigneur. Et ça, il ne faut pas qu'on perde cela de vue. Les gens ne parlent plus du salut. On parle plus de la bataille qu'on a à faire sur la terre. C'est vrai. Parce que Jésus nous a donné une victoire totale. Il nous a garanti un salut. Mais il nous a garanti aussi la paix, le bonheur, les bénédictions sur la terre. Mais la grâce du salut. Il y a beaucoup de religions quand tu leur demandes, mais après la mort, est-ce que tu sais où tu vas aller? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Soit pour eux ça n'existe pas. Soit ils n'ont pas l'assurance du salut. Je vais te lire plusieurs versets. Hein, parce que je vais m'appuyer sur la parole.
Donc la rédemption et le salut, le rachat pour toutes les fautes. Toi et moi, nous étions pécheurs. Toi et moi, nous sommes soumis à la loi du péché. Mais la grâce de Jésus, la grâce du rachat, a fait que nous, on a été rachetés. Alléluia. Et je le disais mercredi, il y a une expérience qui est arrivée à un de nos collaborateurs dans un pays où on travaille. Ça m'a fait réaliser la grâce du rachat. Parce que pour une situation bizarre, où il n'est pas vraiment coupable, mais en tout cas parce qu'on a retrouvé quelque chose avec lui, qu'un ami lui avait passé, que l'ami même avait reçu, bon bref, une situation bizarre, cette personne-là est allée en prison. Et il fallait payer un certain montant qu'il n'était pas capable de faire. Et par la grâce de Dieu, voilà, il nous a appelé, on a pu vraiment participer et le faire. Et j'ai réalisé combien de fois nous tous, en fait nous étions dans ce genre de situation-là, où on est dans une prison tenue par le diable. Et on ne peut rien faire. Mais le rachat parle pour nous. Alors, je vais vous donner des versets que vous allez méditer. Galates 3.13, on l'a lu tout à l'heure. Galates 3.13. Christ, on va lire ensemble la parole. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Ce passage est très fort. La Bible dit que Jésus s'est fait malédiction pour que toi, tu aies la bénédiction d'Abraham. Est-ce que tu comprends? Alors, la réalité qui se passe, c'est qu'il y a une loi qui dit que quand quelqu'un est pendu au bois, il est maudit. Donc le fait que Jésus soit allé sur la croix, c'est en fait une façon par rapport à cette loi-là d'emmener la malédiction sur lui. Donc pendant qu'il est à la croix du calvaire, il est en train de prendre toutes les malédictions. Si on a dit dans ta famille, vous ne vous mariez pas. Si on a dit dans ta famille, vous n'avez pas l'argent. Si on a dit, tu seras pauvre, quel que soit ce qu'on a dit, toute parole de malédiction emmenée avec puissance et qui emmène des limitations sur ta vie. Quand Jésus est à la croix, quand tu pries et que tu te tiens devant la croix, tu es capable d'emmener toutes ces malédictions-là sur la croix. Parce que lui, il est allé porter les malédictions. C'est parce que Jésus portait tellement de choses bizarres qu'à un moment donné, il a eu cette impression que le Père s'était un peu détourné de lui. Il portait nos péchés, il portait nos iniquités, il portait nos malédictions. Il avait tout ça pendant un certain temps. Alors, je veux te dire, arrête de pleurer pour les malédictions du village. Arrête de pleurer parce qu'il y a eu tes malédictions. Tu es assis, tu pleures. Tu prends ce passage-là. Tu dis, Christ s'est fait malédiction pour que moi, je sois béni. Alors, si dans ma famille, on a dit, les enfants là, ils s'arrêtent ici. Moi, je suis plus concerné. Non, il faut faire attention, il faut comprendre ça. Tu as été racheté. Il y a des gens qui viennent voir, pasteur, non, il faut prier pour moi, parce qu'il y a une malédiction de temps. Tu sais, en tant que pasteur, on va prier. Mais ce qui va te donner de la puissance et qui va te permettre de vraiment réussir, c'est que toi-même, tu aies réalisé ce qui s'est passé. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que beaucoup de gens sont en train de courir après les pasteurs. Pasteur, prie pour moi, parce qu'il y a ta, pasteur, prie pour moi, puis il y a ta. Mais quand la personne même n'a pas compris cette transaction spirituelle-là, elle a l'impression que c'est le pasteur qui te sort de la malédiction. Non, c'est, tu comprends la transaction. Et puis à partir du moment où tu comprends ça, le pasteur prie. Parce que sinon, on peut prier, des choses vont se passer, mais tu n'es pas allé là. C'est ça là qui fait le switch. C'est cette parole qui fait le switch. Tu comprends ce que je veux dire? Il est allé à la croix. Il a pris tes malédictions. Il a pris tes malédictions. Il y a des personnes ici, quelquefois fois tu commences à voir ta vie, tu regardes ta vie et puis tu commences à voir que des patterns de ton père sont en train d'arriver, ou des patterns de ta mère sont en train d'arriver, ou même des patterns de tes tantes sont en train d'arriver. Il ne faut pas pleurer, faut pas paniquer. Il faut dire qu'à la toi, tresse, Seigneur, cette malédiction-là qui veut être en train de flirter autour de moi, là, elle ne peut pas m'atteindre. Je l'emmène sur toi et je prends la bénédiction d'Abraham. Amen. Ce passage-là est vraiment, vraiment important. Un autre passage, Matthieu 3, verset 23.
On est toujours dans la deuxième grâce, la grâce de la rédemption et du salut. Car tous ont péché. Alors, est-ce que j'ai le bon? Matthieu 3, 23, c'est ça? Donc, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Il y a une rédemption, il y a un rachat en Jésus. Tu vois, quand tu vas être conscient de ces choses-là, ta façon de prier va changer. Tu ne vas pas être là et puis tu vas subir simplement. Voilà. Continue pour verser d'après. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Quand tu comprends ça là, même si Satan vient t'accuser, toi tu invoques ça. J'ai été racheté. J'ai été racheté. Et tu lui dis non. C'est comme si tu es dans un tribunal. C'est dans un tribunal là. On vient et puis on t'accuse. Et puis on dit tu es coupable, tu es coupable, tu es coupable. Mais toi on t'a donné un papier disant non coupable, justifié. Si tu restes assis, ils vont te rendre coupable, puis tu vas aller en prison. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu as brandi le papier. Non, 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 non. Ça ne fonctionne plus, ça ne fonctionne plus. J'ai été racheté, j'ai été racheté. Donc, il faut que dans ta prière, tu le dises. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. 2 Timothée 1, 9. Il nous a sauvés, il nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan, de sa grâce, qui nous a été accordé en Jésus-Christ de toute éternité. Alors ce que je veux te dire, c'est que c'est une grâce. La grâce du rachat et la grâce du salut. Première grâce, c'était la grâce d'être aimé. Très important. Deuxième grâce, la grâce de la rédemption et du salut. En fait, tu as été racheté. Tu sais, si tu as un comportement de prisonnier, on va te laisser en prison. Tu vois, non? Mais il faut que tu aies un comportement de racheté. Dis, voisin, aie un comportement de racheté. Dis, aie un comportement de racheté. Peut-être dans ta prière même, tu es là, tu es moins, tu es comme ça. Donc, on n'a même pas l'impression que toi-même, tu es convaincu que tu es libre. Tu as été racheté. Et c'est une grâce très importante. Je vais citer. Bon, pour les questions du temps, peut-être que je ne vais pas continuer. Mais la prochaine grâce, c'est la grâce de la délivrance, de la victoire et de l'autorité. Parce qu'il nous a donné l'autorité. Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Colossiens 2, 13. Vous qui étiez morts par vos offenses, en partie du verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit le couloir à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Mon ami, quand dans tes songes tu vois un oncle ou un vieux du village qui vient et puis il dit il est l'autorité de la famille et du village et tu lui appartiens, il faut lui lire ça là, hein? Lis avec moi. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il a détruit en le clouant à la croix. Continue. Lis avec moi. Les dominations et les autorités, elle les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alors, quel que soit le vieux, quelle que soit la grandeur de sa barbe, quel que soit son âge, quelle que soit la circonstance, tu commences à lire ça. Tu dis, tu es domination, non. Tu dis, tu es autorité, non. Tu dis, c'est toi qui règne au village, tu dis, c'est toi qui règne dans la famille. Mais voilà ce que mon Jésus t'a fait. Et tu commences à prier. Amen. Je ne vais pas aller plus loin, mais vraiment, il y a des versets très puissants qu'il faut connaître. Quand on parle de délivrance, un verset classique, Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Tu dois connaître ce verset. Il nous a donné la puissance, le pouvoir. Bon, je vais arrêter là.
Je vais juste citer les prochaines grâces et puis on verra ce qu'on aura le temps de faire. La grâce suivante, c'est la grâce de la résurrection. Ça, c'est magnifique. Matthieu 27, 51. Parce que la Bible dit que quand Jésus est mort, la terre a tremblé. Il y a des sépulcres, des tombeaux qui se sont ouverts. Il y a des gens qui sont revenus à la vie. La grâce ensuite de persévérer, aller jusqu'au bout. La grâce de la transformation, être transformé, dépasser nos limites. La grâce de devenir fils et fille de Dieu. Extraordinaire. Elle est la grâce de l'héritage de la vie abondante. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qu'on aura le temps de faire, mais je veux prier. Je veux prier. Tu vas te tenir debout. On va prier pour terminer. On ne va pas trop dépasser le temps. Que le temps est déjà avancé. Ah Seigneur, Éternel mon roi, je veux prier par la puissance de ton esprit. Par la puissance de ton esprit. Donne-nous de réaliser ce qu'est réellement la Pâque. Donne-nous de réaliser toutes les grâces qui ont été libérées pendant la fête de Pâques. Nous avons prié pour la délivrance. Nous avons prié pour la restitution. Seigneur, tu m'as dit que chacune des grâces dont je parlerai, tu l'accompagnerais d'une onction, d'une puissance qui va se mettre à œuvrer. Je prie, Seigneur, pour la grâce d'être aimé, afin que le cœur de tes enfants soit ouvert, qu'ils ressentent l'amour de Dieu, que pour celui ou celle qui traverse des difficultés, ils ressentent l'amour de Dieu l'accompagner dans ces moments-là. Que pour celui qui se sent seul, il ressent l'amour de Dieu. Celui qui se sent incompris, il ressent l'amour de Dieu. Que la grâce d'être aimé soit votre partage. Que véritablement le Seigneur vous donne une joie extraordinaire. Que les anges de l'Éternel vous visitent. Que la puissance de Dieu soit avec vous. Que véritablement dans vos songes, vous ayez des visitations qui viennent vous démontrer l'amour. Que Dieu utilise des hommes, toutes sortes de circonstances autour de vous pour manifester son amour. Ceux qui ont construit des carapaces, ceux qui portent des masques, qui font des sourires, mais qui sont tristes à l'intérieur d'eux-mêmes. Recevez la grâce d'être aimé. Recevez la grâce d'être aimé par le Seigneur. Recevez la grâce d'être aimé. Vous ne serez plus seul. Le Saint-Esprit viendra et répandra l'amour de Dieu dans votre cœur et vous verrez combien de fois Dieu vous a aimé. La grâce de la rédemption et du salut. Seigneur, je prie parce que nous avons besoin d'être rachetés. Je n'ai pas pu prier pour tout le monde ici ce soir, mais Seigneur, à Pâques, tu nous as rachetés. Tu nous as rachetés. Voilà pourquoi toute personne ici, premièrement, le rachat de leur péché, le rachat de la vie de péché. Je déclare dans le nom de Jésus que tous tes péchés, en fait, je m'appuie sur la parole, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Tes péchés te sont pardonnés. Tu es racheté de ta vie d'iniquité, tu es racheté de ta vie de faiblesse, tu es racheté de ta vie de manquement. Maintenant, la grâce de la rédemption, elle est ton partage. Elle est ton partage, quel que soit ce que tu as fait. Les erreurs, il y a des personnes ici, vous avez fait des erreurs dans vos vies et vous vous en voulez un petit peu. Le Seigneur me dit de vous dire qu'il vous a racheté. Il vous a racheté. Il vous a racheté. Même si c'était votre faute, il vous a racheté. Même si vous avez l'impression que votre vie, vous l'avez jouée par votre faute, il vous a racheté. Recevez la grâce de la rédemption. Recevez la grâce du rachat. Vous êtes racheté pour la vie éternelle, mais vous êtes racheté par rapport à tous les petits challenges que vous avez pu connaître. Reçois la grâce du rachat. Dans ton esprit, vis le rachat. Vois le rachat. Tu vas être racheté. Tu vas être racheté. Et tu vas voir des choses te montrer que le Seigneur est en train de le faire. Il est en train de le faire. Il a déjà fait depuis la croix du calvaire. Mais tu vas voir cela se manifester maintenant. L'ennemi qui réclamait une possession sur ta vie, il y a une transaction spirituelle pendant cette fête de Pâques afin que tu sois racheté. La rédemption, la rédemption, la rédemption. La grâce du salut est ton partage. Tu as l'assurance de ton salut. Tu garderas ton salut. Tu demeureras ferme dans ta foi. Tu ne seras pas dans une vie de compromission qui va atteindre ton salut. Tu seras ferme dans la foi. Et le jour où le Seigneur viendra te rappeler, tu seras assis avec lui à la droite de Dieu le Père. Tu feras partie des saints qui vont adorer le Seigneur dans le ciel. Garde ton salut. Reçois la grâce du salut, la grâce du rachat, parce qu'il a payé pour toi. Il est allé à la croix pour toi. Il s'est fait malédiction pour toi. La grâce de la délivrance, de la victoire, de l'autorité, tu la reçois maintenant. À partir de ce soir, toute personne qui était possédée, toute personne qui était menacée par des esprits impurs, je le déclare qu'il quitte vos vies à l'instant, dans le nom de Jésus.
pendant la nuit, dans tout ce week-end pascal, des délivrances vont s'opérer dans toutes les maisons, dans toutes les familles, dans le nom puissant de Jésus. Vous avez la victoire, vous avez la victoire. Vous marchez sur vos ennemis, vous marchez sur les serpents, vous marchez sur les scorpions. Là où vous aviez des songes où on vous attaquait, je déclare à partir de ce jour, à cause de la croix de Christ, qu'il y a un retournement de situation. Vous allez poursuivre vos ennemis. C'est vous qui allez poursuivre les animaux qui vous poursuivaient. Non seulement vous allez voir leur visage pour savoir de qui il s'agit et vous allez les poursuivre. Je vois des gens ici attrapés comme des panthères ou des guépards par la queue. Vous les attrapez puis vous le secouez. Et puis elle ne peut même pas oser faire quelque chose parce qu'elle a peur de vous. Elle est terrorisée parce qu'elle a vu le feu sur vous. Elle a vu le visage du lion de la tribu de Juda en vous regardant. On renverse la situation. La grâce de la victoire est votre partage. La grâce de la victoire est votre partage. La grâce de la délivrance est votre partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare. Et la semaine prochaine, dimanche, je prierai pour la grâce de l'autorité. C'est une chose d'avoir la victoire, mais c'est une chose d'avoir le pouvoir et l'autorité. Mais il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Reçois ce pouvoir, reçois cette autorité, reçois cette grâce. Maintenant, que ta prière soit puissante. Quand tu pries, que les ennemis tremblent. Quand tu aïe, 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 aïe. Quand tu pries, que Satan se mette à trembler. Quand tu pries, qu'il y ait des transformations. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Rakayaba. Parce que pour nous, la prédication de la croix est une puissance de Dieu. Pour le monde, elle est une folie. Mais pour nous, c'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cette parole s'applique à toi. Reçois cette autorité. Reçois ce pouvoir. Reçois cette capacité. Prie et qu'il y ait des changements. Prie et que des hommes soient sauvés. Prie et qu'il y ait des délivrances. Prie et qu'il y ait des guérisons. Prie et que tout autour de toi soit obligé de se plier au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen, amen, amen. Alléluia. Alors vraiment, on bénit le Seigneur. Voilà, il est 23h. On avait dit qu'on arrêtait à 23h. On va arrêter ici. Juste avant de terminer, te demander vraiment de préparer ton offrande. Préparer ton offrande pour ce temps-là. Et d'apporter, apporter une offrande vraiment au Seigneur qui lui a apporté sa vie pour toi. Alors, la première offrande, bien sûr, c'est ta vie. Voilà, et on prie pour tous ceux qui doivent se faire baptiser. C'est le meilleur cadeau que vous faites au Seigneur. Alléluia. Donc, fais ton offrande. Rappelez que demain, on a les baptêmes. Dimanche, on a un culte unique. Voilà, on va rajouter plus de chaises, donc, invitez vos amis, vos familles, mais le culte unique à 9h, ok? Donc, vu qu'on avait deux moments, donc on a préféré faire ça comme ça. Culte unique à 9h. Venez en tenue des nations, ok? Donc, si tu as la tenue d'un pays, ça peut être un pays asiatique, ça peut être une tenue québécoise, une tenue, voilà. Tu peux venir. Je pense que les tribus se sont organisées, mais en tout cas, on veut pouvoir prier pour les nations. Donc, être habillé vraiment en tenue des nations. Et donc, il n'y aura pas de deuxième culte, il n'y aura pas de culte en anglais spécialement ce jour-là. Il y aura juste le culte unique. Alléluia! Voilà, que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'il y a une annonce que j'ai oubliée? À cause de vous, je vais mettre. Hein. Ah, vous allez vous dire ah, dans mes oreilles là. Je pensais que vous alliez dire oh! Face à face, inscrivez-vous. Bon, qui n'est pas encore inscrit pour face à face? Hein? Il est fallu, mais. Bon, qui est inscrit pour face à face? Bon, regarde celui qui n'est pas encore inscrit. Il faut dire, mais, voisin. Comme on dit chez mes frères camerounais, c'est how. Hein? C'est comment? Hein? Faut lui dire, c'est comment? Non, vous savez, face à face, là, ça ne s'explique pas, quoi. On peut pas venir t'expliquer comment face à face se passe. Tu vois, non? Vu qu'on est dans l'année comblée de grâce, donc imagine ce face à face là, tu as sorti de là, c'est dangereux. Hein? Merci, incroyable. Voilà, elle a grâce, elle a tout dit. Bon, voilà, elle-même elle s'appelle grâce. Donc, vous pouvez, voilà là. Hein? Donc, c'est un face à face là où tu sors et puis
Ouais, juste extraordinaire. Mais vraiment, inscrivez-vous. Hein, faut pas, il y a des moments là, faut pas regarder au montant, mais faut regarder à ce que Dieu va faire. On a tellement de témoignages de femmes qui n'enfantaient pas, qui sont venues face à face, elles ont été enceintes. Le prochain face à face, elles sont venues témoigner de l'enfant qu'elles ont emmené, l'enfant en témoignage, de déblocage, de choses extraordinaires. Et je sais, en fait, d'ici au prochain face à face, tu auras déjà des gros témoignages. Mais à face à face, ce que Dieu va ajouter, amen, tu n'as pas idée. Amen. Tu n'as pas idée. Ça, amen, va te donner des... étonnés. Voilà, des étonnements étonnés et étonnants. Voilà, des étonnements étonnants. Voilà, parce que là, c'est une autre dimension. Amen. Bon, je pense que j'ai fait l'ensemble des annonces. Donc, invitez vos familles, vos amis le dimanche. On va rajouter des chaises, voilà, il y aura plus de place. On va faire un seul culte dimanche à partir de 9h. 9h, voilà. Merci Seigneur, merci pour ce temps extraordinaire. Bénis tes enfants, raccompagne-les. Je prie pour des songes, des visions. Je prie pour des révélations extraordinaires. Merci Seigneur. Votre nuit est bénie au nom de Jésus. Amen. Bon retour chez vous. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde.